Je vais répondre une fois pour toutes parce que je reçois des messages du style « Non mais meuf, t'as pas honte, t'insultes des gens de mineurs, t'insultes des mineurs de leur mort, de je sais pas qui, je sais pas quoi. » Mais moi, quand on insulte mes morts, qui c'est qui vient me défendre? Qui c'est qui vient ouvrir son cul pour dire « Non mais ça se fait pas de dire nique t'es mort, Aléouda et tout. » Donc on va mettre les choses une bonne fois au clair, d'accord? Sous prétexte que je suis connue ou peut-être parce que je suis noire, on a le droit de m'insulter, etc. sans que je dise rien. Vous avez fumé du crack ou quoi? Donc voici la personne que je suis désormais à partir d'aujourd'hui. Tu m'insultes, je t'insulte, d'accord? Vous allez dire, mais t'as une fille, ma fille, elle ne regarde pas mes snaps, d'accord? Elle les regardera à 20 ans, pas de problème. Je lui apprendrai comment pas ne se laisser, je lui apprendrai comment ne pas se laisser marcher sur les pieds, d'accord? Donc je suis sur qui je veux, je pisse sur qui je veux, qu'on soit bien clair sur ça. Tu me chies dessus, je te chie dessus, c'est aussi simple que ça. Ensuite aussi, on va faire quelque chose de clair. Ça fait, je sais pas, hein. Ça fait 5 ans que j'ai fait de la télé, d'accord? J'ai ni eu besoin de montrer ma fille, ni eu besoin de mon cul pour vivre depuis 5 ans de mes placements de produits, de m'en mettre plein les poches, que ça plaise ou non, d'accord? Donc, quand ça n'allait pas dans ma vie, j'arrêtais les placements. C'est-à-dire que de moi-même, vous pouvez demander à WeVent, vous pouvez demander à Wesley. J'ai appelé un jour et j'ai dit, écoute, je vais prendre quelques mois pour moi et je vais arrêter parce que je me sens pas bien, je suis pas bien. Je suis d'accord. Donc j'ai ce qu'il me faut dans la vie, ok. Les placements, j'en fais quand j'ai envie d'en faire et quand j'ai envie de faire des pauses, je n'en fais pas. Déjà, ça c'est pour commencer. Ensuite, pour ce qui s'agit de tous les placements de produits, d'arnaques, de parnaques, machin, je suis pas dans les arnaques. Si je fais un placement de produit qui s'avère que c'est une arnaque, je n'en fais pas. La preuve là, c'est dans une ancienne agence, tous les 2 semaines j'avais des plaintes, des oui, on n'a pas reçu ça, on n'a pas reçu ça. J'ai arrêté. De mon plein gré, j'ai arrêté. D'accord? Qu'on soit clair sur ça.